très loin de l'entame rêvée. Battu de 20 points, 50-70, pour son premier match à domicile, par une équipe d'Angers dominatrice dans tous les secteurs du jeu, le CEP Lorient Basketball s'est pris un mur vendredi soir. Ses supporters ont déchanté. Déçus par Lorient, quoi. Ils ont raté pas mal d'occasions. Et ça, on peut dire qu'au niveau de la maladresse, il y en a avant 3 points. Et voilà, après, tout ce qui va être aussi lancé franc, c'était pas terrible. D'eau chaude de loin, on met rien. On met rien. Bah, on attendait beaucoup et on a eu très peu. Donc, offensivement, ça a été très mauvais. Pas de leader. Donc pas beaucoup de réactions. On espérait voir une deuxième mi-temps un peu plus intéressante. Bon, c'est un mauvais début de championnat ici. Vainqueur à Ardres en ouverture de saison week-end précédent, le CEP ne pensait certainement pas tomber de si haut. Il va vite falloir montrer autre chose pour jouer les premiers rôles dans ce championnat. Bon, ça fait très mal. C'est pas le départ dont je rêvais et que tout le monde rêvait. On savait comment ils allaient jouer malheureusement. Et nous, à l'inverse, voilà, une première à domicile, c'est délicat. On a démarré a priori trop fort, peut-être à l'extérieur, on s'est cru peut-être trop beau. Voilà, on ne va pas se taper la tête contre les murs, ça montre, comme je disais, hein, c'est un test qui était très très difficile tout de suite. Ça montre les exigences qu'il faut apporter en termes de performance individuelle, en termes de partage collectif, en termes de team spirit comme on dit. Donc ça va faire une petite piqûre de rappel, mais maintenant c'est le championnat. Sur le parquet, destin d'Amachua, amer au coup de sifflet final, invite ses partenaires à bosser plus dur à l'entraînement. À l'entraînement, il faut savoir se mettre dans le dur, travailler dur, faire les efforts qu'il faut pour, comme ça, en match, on arrive et c'est pas en match qu'on va venir et faire la différence. Non, ça commence par l'entraînement et ensuite, en match, on va pouvoir s'exprimer. Donc, il faut bosser davantage à l'entraînement là ? Il faut bosser davantage à l'entraînement, tout à fait. Ouais. Et jusque-là, c'était pas assez. Oh, je vais pas dire. Je dis juste qu'il faut qu'en entraînement, on se. On monte un peu le niveau et pour être prêt à jouer des genres de matchs. Prochain match du CEP, samedi, le 10 octobre, 20h, à Brest pour un derby face à l'Étendard.